Nous, on a décidé de dématérialiser et d'automatiser un certain nombre de traitements, puisqu'on avait une problématique de décentralisation et en même temps de centralisation. Les enjeux par rapport à la dématérialisation des factures fournisseurs étaient des enjeux d'organisation. Des navettes partaient tous les jours avec les factures originales qui avaient été comptabilisées par l'équipe comptable et partaient sur 16 sites auprès de 50 valideurs en version papier. Et en tous les cas, c'était un process assez chronophage. Avec une traçabilité très limitée. Alors, on a décidé de prendre cette solution de dématérialisation des commandes et des factures clients parce que nous étions aperçus que les commerciaux sédentaires passaient beaucoup de temps, 60% de leur temps, à saisir toutes les commandes clients à la main. La volumétrie de ce cycle étant de 1500 factures par mois à l'époque, il nous a semblé judicieux d'essayer de gagner en organisation, en productivité, et ça s'est fait à l'occasion d'un départ en retraite d'une personne de l'équipe fournisseur. Et l'idée a été de se demander si en changeant l'organisation, en modernisant, en réduisant le papier et la circulation du papier, on ne pouvait pas en plus arriver à gagner une personne et reconcentrer les personnes qui restaient sur de la valeur ajoutée et pas de la gestion de navettes papier. Aujourd'hui, on avait l'ensemble de nos factures qui étaient émises sur 11 pays européens. Et en fait, on avait un besoin de recentraliser ces envois pour pouvoir les envoyer de façon plus automatisée. Et en parallèle, on s'est aperçu qu'on avait aussi une personne qui passait tous les jours et 100% de son temps à archiver les commandes des clients et les factures des clients. Sur la partie client, le flux est beaucoup plus significatif. C'est à peu près 3000 factures par mois envoyées aux clients. Là, l'idée était de s'assurer d'avoir une traçabilité totale de l'envoi des factures aux clients, c'est-à-dire être sûr qu'elles partaient au fil de l'eau. Mais démarche similaire, c'est-à-dire vouloir recentrer les gens, en l'occurrence là les chargés de facturation, sur le cœur du sujet, c'est-à-dire bien faire des factures, avoir une valeur ajoutée dans ce que l'on met dans la facture, et pas sur une tâche sans valeur ajoutée qui est d'imprimer et de mettre sous enveloppe. On est toujours sur gagner du temps, se concentrer sur la valeur ajoutée des différents métiers de la direction financière, et puis moderniser le tout, avoir l'image d'une entreprise innovante à la pointe. On a choisi Esker par le biais d'un de nos confrères qui nous a présenté la solution. Après, on a fait un appel d'offres avec plusieurs prestataires, mais Esker est arrivé en première place par un système très clair qui nous semblait en adéquation avec nos attentes. Nous, on a choisi Esker pour plusieurs raisons. Un, on avait fait beaucoup d'expériences sur différents prestataires, et ce qu'il en est ressorti, c'était le sérieux et la disponibilité. Deux, la fiabilité du produit. Le produit Esker nous a semblé très fiable, très disponible. Et le troisième point, c'était la traçabilité. On voulait avoir un moyen de pouvoir tracer que l'ensemble des documents étaient bien envoyés par la poste. Et ce qui nous a convaincus à l'époque a été la capacité à s'interconnecter facilement avec notre système d'information comptable, à savoir Cegid. Et donc on voulait une société qui soit aussi à taille humaine. Donc l'importance du feeling, l'importance de la taille de l'entreprise était aussi un point important dans nos choix. Peut-être l'aspect technique, le fait de pouvoir le faire en toute autonomie par rapport à la DSI qui chez nous est concentrée sur le cœur du sujet, c'est-à-dire l'outil qui permet de gérer de façon industrielle un métier de service à produits non code barré, d'où le mode SaaS, d'où le fait de choisir quelqu'un avec lequel on sentait qu'on pourrait être autonome. Tout ça dans le contexte où l'outil répondait à nos besoins bien évidemment. Il fallait en plus que d'un point de vue financier, l'offre ne soit pas déconnectée des autres, ce qui était le cas. Alors, plusieurs atouts ressortent de l'utilisation de cette solution. D'une part, au niveau du service des commerciaux,
Tout à l'heure, je disais qu'ils passaient 60% de leur temps à saisir les commandes. Maintenant, c'est plus des offres de prix et des appels téléphoniques envers nos clients qui sont les principales actions qu'ils font dans la journée. Deuxième avantage, c'est qu'au niveau du flux logistique, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup moins de pics de commandes à préparer dans la journée, mais plus un flux réparti dans la journée du matin jusqu'au soir. Donc, ce qui nous intéressait, c'était deux principales fonctionnalités. C'est qu'aujourd'hui, l'envoi des factures est d'une facilité essentielle. Donc, en fait, on a deux cycles de facturation, un au milieu de mois et un en fin de mois, où on a des gros volumes. Et puis ensuite, on a des factures à la demande, où là, il y a des opérateurs qui interviennent suite à des appels des clients qui demandent des duplicata ou qui n'ont pas reçu, etc. Donc, il fallait aussi une interface qui soit facile et en même temps, un système automatisé pour l'envoi de ces factures. On souhaitait gagner en productivité, en organisation. Le bénéfice a été réalisé puisque j'ai bien une équipe qui tourne maintenant avec 3 personnes au lieu de 4. Et c'est durable puisqu'au bout de 2 ans, c'est toujours le cas. Deuxième chose, ça réduit énormément le délai de validation. Cette traçabilité que l'on souhaitait, on l'a obtenue. Et elle ne concerne pas que la direction financière, mais l'ensemble des personnes service support ou service opérationnel. Ça a été très structurant. Donc en termes d'organisation, on a bien eu les bénéfices que l'on attendait. Et en termes d'image de la direction financière, ça a donné une bonne image, une image d'une direction qui était plutôt en avance, à la pointe, innovante. La volumétrie pour Parfip, c'est d'envoyer environ 150 000 factures par mois. Donc il y avait une grosse volumétrie et donc il nous fallait une fiabilité et encore une fois une traçabilité comme quoi ben, les clients avaient bien reçu leurs factures pour être sûr qu'ils aient tous les éléments pour pouvoir nous payer. Si on résume ces bienfaits fournisseurs par rapport à nos attentes, ce que l'on a mesuré au-delà du raccourcissement du délai de validation des factures, de cette traçabilité, nous a conduit à mesurer et chiffrer un ROI en 8 mois. Ce serait agilité, fiabilité, et c'est pour ça que pour moi l'agilité sans la fiabilité me gênerait, c'est pour ça que résumé en un mot j'ai du mal. Si je devais qualifier Esker, je dirais que c'est une solution, on va dire, robuste et fiable. Si je pouvais définir Esker en un mot, ce serait professionnel, mais aussi efficace, puisqu'ils nous ont permis d'être plus efficaces dans la vie de tous les jours, et ils ont été efficaces eux-mêmes dans la gestion de projet en collaboration avec toutes nos équipes.